Bonjour, bienvenue sur le Gallica Parents Live consacré aux 130 ans de la Tour Eiffel. Nous allons explorer la Tour Eiffel depuis ses fondations jusqu'à son sommet, en passant par la salle des machines. À partir des collections numériques de la Bibliothèque nationale disponibles sur Gallica, mais aussi à partir de la Tour Eiffel elle-même où nous avons eu la chance de pouvoir tourner quelques séquences vidéo. Pour ce voyage, vous serez accompagné de... Flora Tribel, chargée de collection au département des estampes et de la photographie à la Bibliothèque nationale de France. De Chloé Couture, chargée de collection au département sciences et techniques. Vous pouvez poser vos questions et vos commentaires sous la vidéo et nous tenterons d'y répondre. Commençons d'abord cette première exploration de la tour par un petit voyage. Du 5 mai 1889 au 31 octobre. La République triomphante conçoit cet événement, notamment en commémoration du centenaire de la Révolution française. L'événement est placé sous le signe de l'exploit et de la foi dans le progrès technique. Vous voyez ici une affiche imprimée pour l'exposition universelle qui montre en médaillon Gustave Eiffel et au centre la tour. Vous voyez aussi sur ce document deux autres monuments qui firent sensation au moment de l'exposition universelle. La galerie des machines que l'on voit ici, immense bâtiment qui s'étendait sur 440 mètres. Et dessous, vous voyez aussi le palais des industries diverses avec son dôme à ossature métallique. Regardons un peu maintenant ce plan général de l'exposition qui vous montre l'implantation des différents monuments et des différents pavillons. La tour Eiffel ici au milieu. L'ensemble de l'exposition s'étendait sur 96 hectares. On peut s'arrêter aussi un instant sur la légende de ce document. Vous voyez que la légende nous indique quelques transports spéciaux créés pour pouvoir parcourir ces 96 hectares, notamment le chemin de fer spécial ou encore les escales de bateaux le long de la Seine. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a quelques restaurants, brasseries qui sont signalés. À travers les différents pavillons, on peut voir aussi, à travers leur intitulé, exploitation des mines, teinture, tissu de coton, et plus loin, les différents pavillons liés au pays, Bolivie, Venezuela, Chili, Mexique, etc., que l'exposition se veut un résumé des savoirs et des techniques universelles. Et le décor de la Tour Eiffel étant maintenant planté, nous allons pouvoir nous intéresser à sa genèse et je passe la parole à Chloé. Alors effectivement, revenons un petit peu sur le projet initial grâce à cette planche qui est extraite du génie civil, dont on va s'approcher. Hein. C'est un numéro du génie civil qui est daté de 1884, du 13 décembre 1884. Effectivement, dès juin 1884, les collaborateurs de Gustave Eiffel, dont vous allez voir les noms ici, Émile Nouguier, Maurice Koechlin, qui travaille déjà pour Gustave Eiffel sur d'autres projets depuis longtemps, propose une première esquisse de tour qui est une sorte de pylône de fer mais qui ne convainc pas au départ Gustave Eiffel. Le projet est retravaillé avec un autre membre de la maison Eiffel qui est Stephen Sauvestre, architecte, pour lui donner cet aspect décoratif avec des arcs, avec également des plateformes qui sont très ornementales sur lesquelles le public pourra se promener. Mais on est là sur vraiment un projet. Le brevet est déposé en 1884 et Gustave Eiffel va convaincre le ministre du Commerce d'inscrire un concours d'architecture pour qu'une tour soit construite pour l'exposition universelle. Concours auquel participeront 107 concurrent et c'est Gustave Eiffel qui remportera le premier prix. Alors on peut voir sur cette image, je vais zoomer un petit peu plus, le projet tel que Gustave Eiffel l'a proposé.
Alors là, on est là dans un ouvrage très intéressant, puisque c'est un ouvrage de Gustave Eiffel lui-même qui date de 1900, un ouvrage composé de deux tomes, dont ce tome-là est un tome de planches, et qui revient sur toutes les étapes techniques de la construction, avec, vous verrez, on l'utilisera assez souvent, des détails précis sur les pièces, sur les machineries. C'est un ouvrage qui intervient en 1900, au moment où Gustave Eiffel soutient sa tour, puisqu'il... Il gagne le concours d'architecture, il a une concession pour 20 ans au terme des 20 ans, normalement, la tour Eiffel devait être détruite. Donc c'est pour lui l'occasion aussi de la soutenir. Alors, il reprend toutes les grandes compositions de sa tour avec ses planchers. Et surtout, vous pouvez voir que du sommet jusqu'au phare, en passant par le drapeau, on est autour de 312 mètres 275. 300 mètres. Ces 1000 pieds, c'est une hauteur très symbolique. Et cette gravure extraite d'un ouvrage de vulgarisation scientifique de Gaston Tissandier, qui est également rédacteur de revues comme La Nature en 1873. Donc cette gravure nous montre le comparatif entre la Tour Eiffel et les principaux monuments mondiaux. On a par exemple comme point de référence l'obélisque de Washington qui fait 169 mètres et qui a été inauguré en 1885. Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment 1000 pieds, une hauteur symbolique qui tente d'être dépassé par tous les constructeurs, architectes de l'époque. Mais au départ, c'est par la maçonnerie. Et effectivement, Gustave Eiffel va utiliser le fer pour construire la tour, fer qui n'est quand même pas sans poser des défis techniques. Et nous allons monter au sommet de la tour Eiffel pour voir quelques-uns de ces défis. Bienvenue au sommet de la Tour Eiffel. Construire une tour de 300 mètres, c'est relever un certain nombre de défis techniques pour assurer la stabilité de l'édifice. Premier défi technique d'ampleur, c'est le vent, qui est une contrainte nouvelle puisqu'on n'a jamais construit aussi haut. La résistance au vent est assurée à la fois par la forme de la tour, mais également par sa structure en croisillon. C'est au sommet de la Tour Eiffel que l'on enregistre les résistances au vent les plus importantes. Par exemple, en 1999, on a pu enregistrer 13 cm d'oscillation au sommet. Gustave Eiffel, dans son étude technique, avait prévu 15 cm par temps impétueux. Un autre élément naturel peut s'avérer dangereux sur une structure métallique, c'est l'orage. Dès 1889, 9 paratonnerres équipent la Tour Eiffel. Et un système également de liens à la terre est installé qui consiste en des tuyaux de fonte qui vont parcourir toute la hauteur de la tour Eiffel, se courber à angle droit dans le sol et ensuite s'étaler au moins sur 18 mètres. La température, le vent, l'orage, mais il y a également d'autres contraintes techniques qui sont à surmonter pour assurer la stabilité de l'édifice. Et saurez-vous nous dire lesquelles ? Un petit indice, on va pas donner tout de suite la réponse, mais on va s'attarder sur ce plan qui est extrait d'une communication que Gustave Eiffel a donnée à la Société des ingénieurs civils en 1887. Donc les travaux ont commencé en janvier 1887, on est en mai 1887, on est en plein travaux sur les fondations. Vous voyez un plan des fondations, donc les piles 1, 2, 3, 4, nord, est, sud et ouest. Les travaux vont commencer par ces deux piles. Alors je vous propose juste de regarder quand même rapidement ces rectangles. En fait, ils correspondent pour chacun des piles à ce qu'on appelle les arbalétriers, qui sont les structures, l'ossature, le squelette de la tour Eiffel. Vous en avez quatre par pilier. Donc les travaux ont commencé par les piles 2 et 3, le sol ne pose pas de problème, on creuse quand même, ça reste très manuel, à la pioche, à la pelle. Les déblais sont évacués par des wagonnets tirés par des chevaux. Si on continue un tout petit peu, on voit pour les piles 1 et 4 que la proximité de la Seine va poser problème. Et effectivement, la réponse à l'autre défi technique, c'est la nature du sol. Lui-même, que l'on voit bien avec cette coupe, puisque en creusant près de la Seine, on rencontre une couche d'argile et que si on creusait directement dans cette couche, l'eau s'infiltrerait. Donc il faut étanchéiser la construction et c'est ce que va faire Gustave Eiffel pour ses fameux quatre fondations d'arbalétriers grâce à des caissons métalliques. Des caissons de tôle composés de deux étages. Les ouvriers vont creuser au dernier étage. On insuffle de l'air comprimé. Les déblais sont évacués par des sas et le caisson s'enfonce sous son propre poids.
Puis, une fois qu'il est installé, eh bien, on va pouvoir couler du béton. Alors, pour continuer un petit peu sur la présentation, voici ce que ça peut donner au niveau photographie. Donc là, on est sur une photographie qui vous présente les fondations du pilier 4, donc celui qui est réalisé avec la pelle et la pioche. Et sur la photographie suivante, vous allez voir les caissons. Voilà. On voit les machineries d'air comprimé. On a quand même également un travail qui reste très manuel, hein, malgré ces innovations techniques. Autre document très intéressant qui permet un peu d'appréhender tous les travaux. Alors, c'est un recueil qui a été réalisé par un contemporain des travaux de la Tour Eiffel et qui propose des illustrations extraites de nombreux documents, notamment de publications de vulgarisation scientifique. Je vous propose de regarder celle-ci qui est particulièrement jolie puisqu'elle est en couleur. Voilà, où là, on retrouve à nouveau la machinerie. Elle est signée Eugène Grasset, qui est un affichiste. Et donc, on vous retrouve à nouveau toute la mécanique pour les fondations. Alors, une fois que les fondations sont faites, on commence à voir les arbalétriers sortir de terre. Donc là, nous sommes en zoom. On va retourner le zoom pour mieux voir et se rapprocher. Voilà à quoi ressemblent les arbalétriers. Donc, ces grandes poutrelles hein, qui vont soutenir l'ensemble de l'armature de la Tour Eiffel. Ces arbalétriers poussent de sur les quatre piles de la tour. Le défi technique, ça va être d'ajuster le tout pour que la première plateforme soit ajustée au millimètre. Alors, comment va-t-on réaliser cette prouesse ? Eh bien, grâce à ce document, donc on peut un peu mieux le comprendre. Là, à nouveau, un petit zoom est intéressant. Vous avez deux systèmes, en fait. Un système qu'on voit très bien sur cette gravure, qui est un système de vérins hydrauliques. Alors, ce sont des vérins temporaires hein, qui sont installés sur les sabots des arbalétriers et qui vont permettre de jouer sur la hauteur des arbalétriers. Donc, on va pouvoir, avec encore une action malgré les vérins assez manuels, hein, de pompage manuel, surélever un tout petit peu les vérins pour les ajuster, pour que tout soit prêt à la même hauteur. Et pour ce qui est de l'inclinaison, on a un système de boîte à sable qui permet de jouer sur l'inclinaison qui au départ est un peu plus verticale et qui va pouvoir légèrement être inclinée davantage pour se caler aussi très précisément. Mais revenons maintenant sur le grand ordonnateur de ce chantier, Gustave Eiffel. Alors, vous le voyez ici photographié par l'atelier Nadar. Gustave Eiffel, c'est un ingénieur formé à l'école centrale qui est né en 1832 à Dijon et qui meurt à Paris en 1923. Il a fondé sa réputation d'ingénieur sur le chantier d'un pont métallique à Bordeaux, l'un des premiers chantiers en France à exploiter le procédé de fondation air comprimé dont vous parlait Chloé. Et en 1867, il fonde sa propre entreprise et réalise, à partir de cette date, de très grandes architectures en métal, viaducs, ponts, charpentes métalliques. La tour de 300 mètres, c'est donc la consécration de la carrière de cet homme de 57 ans, mais elle en marque aussi le terme. Et en 1889 débute le scandale de Panama, scandale politique, scandale financier, où de nombreux souscripteurs sont ruinés et auxquels Eiffel est mêlé. Il est dans un premier temps condamné avant d'être réhabilité. Et après ce scandale, il se retire de son entreprise et se consacre à des travaux scientifiques et notamment à des études météorologiques. Ici, on voit son portrait réalisé par l'atelier Nordin, où Eiffel pose au sommet de sa tour, image très parlante de la gloire de l'ingénieur qui surplombe la capitale. Et je vous montre cette photographie parce qu'il est important de parler de l'atelier Nordin, parce qu'ils occupent une place à part parmi les très nombreux photographes qui ont photographié la tour. Entre 1889 et 1917, ils sont en charge de la concession de souvenirs de la Tour Eiffel et ils vont participer au développement de l'industrie d'un marché de l'imagerie photographique. Alors revenons maintenant à la Tour Eiffel pour en savoir un peu plus sur les emplois du fer pour cette construction.
L'ossature de la tour est métallique. C'est pas la première fois qu'on utilise des charpentes métalliques dans la construction. Le fer, c'est le matériau triomphant de la fin du 19e siècle. On peut citer par exemple le Crystal Palace à Londres ou également la salle de lecture conçue par Ernest Labrouste pour la Bibliothèque nationale à Paris. Mais ici, le fer, c'est l'essentiel. Il s'agit de fer pelé, c'est une technique d'affinage particulière qui donne un fer très résistant, facilement transportable, mais également malléable. Et c'est un fer qui a été fourni par la société, par les hauts fourneaux de la société Foulle de Dupont, qui était basée dans l'est de la France, et qui a fourni pour à peu près 8000 tonnes pour la construction de la Tour Eiffel. Mais comment assembler toutes ces pièces de fer ? Alors, comment assembler ? Juste avant de répondre, on a un commentaire d'Éric qui, effectivement, nous rappelle que parmi les contraintes, donc on avait cité le vent, on avait cité la nature du sol, on n'a peut-être pas assez insisté, effectivement, sur la température, puisque le soleil qui chauffe déforme la structure tout au long de la journée de la Tour Eiffel. Effectivement, merci de rajouter un élément à ces propos. Donc, revenons maintenant sur les pièces métalliques. Alors, la Tour Eiffel est composée de plus de 18 000 pièces métalliques. Et l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est l'ouvrage de la tour de 300 mètres de Gustave Eiffel de 1900, dont un tome est consacré, est un tome de planches et précise, montre un petit peu quelles sont les pièces, nous permet de voir un petit peu comment sont composées ces pièces. Alors, elles sont assez standardisées. Elles ont été découpées. Assemblés par morceaux de 5 mètres, mais également troués. Les trous sont réalisés également dans les ateliers de Levallois-Perret que Gustave Eiffel a depuis 1866. Et ensuite, elles sont acheminées par bateau jusqu'au chantier. Il faut après les monter. Alors, temporairement, elles sont boulonnées. Et puis, on voit grâce à cette gravure également extraite d'un ouvrage de vulgarisation scientifique signé Max de Nansouty, on voit l'équipe de monteurs et l'équipe de riveurs, dont on va reparler tout de suite, qui commence à assembler la structure. Et attardons-nous un petit peu sur la question des rivets, puisqu'elles sont quand même au cœur de la Tour Eiffel. Pour pouvoir assembler toutes ces pièces métalliques, on a besoin de rivets. Donc, c'est une technique qui existait artisanalement, mais qui devient industrielle à la fin du 19e siècle. Les rivets, il y en a 2,5 millions sur la Tour Eiffel et on les pose avec une équipe, donc une forge portative. On va chauffer le rivet, on va l'introduire dans le trou et taper à la masse pour le faire entrer. Et c'est ensuite l'action de la chaleur qui va dilater le rivet quand il va... qui va le caler dans la structure métallique. Voilà pour en tous les cas cet assemblage métallique. Autre élément intéressant à noter, c'est les conditions du chantier lui-même. Sur toujours cet ouvrage de Gustave Eiffel, vous avez des plans de grues. Alors tout au début, on utilise des échafaudages, des grues hydrauliques. Sur un chantier qui va mobiliser environ 150 à 300 ouvriers selon les périodes de l'année. On travaille par exemple 9 heures en hiver et 12 heures en été. Donc les conditions de travail sont de plus en plus difficiles puisqu'on va monter dans les étages et on va même surnommer les ouvriers qui travaillent, et particulièrement ceux qui font la peinture et les rivets, des voltigeurs. Avant de passer à nouveau la parole à Flora, nous avions une question sur la peinture qui nous demandait, une question de Jeff qui nous demandait quelles ont été les couleurs successives de la tour. Alors, on n'a pas toutes les réponses pour les couleurs successives. Je peux quand même vous donner au moins les couleurs initiales qui sont appliquées en 1889, qu'on appelle le bronze barbe Diène, qui tire sur le rouge. Vous avez également un document qui peut être intéressant par rapport à ça, qui est celui-ci, où on vous indique dans un article que la tour a subi une toilette. Elle a été repeinte en 1893, en 1899, d'abord par couleur orange, puis rouge, puis jaune d'or. Et effectivement, les teintes sont variées en fonction du bas et du sommet pour des questions de perspective, ce qui permet finalement de donner de très loin une vue uniforme sur la Tour Eiffel. Mais revenons maintenant
à l'opinion de l'époque sur la tour qui a suscité de nombreux commentaires. Oui, puisqu'en effet, cette tour défie les lois de la pesanteur, mais elle défie aussi le goût artistique de l'époque. Et le journal Le Temps publie le 14 février 1887 une tribune des artistes qui s'oppose à la création de la tour Eiffel. Vous voyez, les artistes contre la tour Eiffel, tribune adressée à Adolphe Alphand, qui est responsable des chantiers de l'exposition universelle. C'est une tribune qui est signée beaucoup par des artistes qui sont pour la plupart académiques, mais pas seulement. Il y a notamment le peintre Meissonnier ou encore le peintre Jérôme, l'architecte Garnier, le compositeur Gounod, des écrivains comme Alexandre Dumas fils et Guy de Maupassant qui participent donc à cette tribune. Tribune qui a une tonalité tout à fait virulente, mais en même temps qui donne bien un goût de l'époque. Je vous en lis un passage. Il suffit d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que nous avançons, cette opposition à la tour Eiffel, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, dominant Paris, ainsi qu'une gigantesque et noire cheminée d'usine, écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, la Tour Saint-Jacques, le Louvre, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Et pendant 20 ans, nous verrons s'allonger sur la ville entière, frémissant encore du génie de tant de siècles, nous verrons s'allonger comme une tache d'encre l'ombre odieuse de l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Alors, vous voyez que cette participation, cette protestation est tout à fait virulente, mais en fait, un peu malgré eux, ces artistes participent au battage médiatique qui est organisé, orchestré par Gustave Eiffel autour de sa création et qui participe aussi à sa célébrité. Si on parle de cette opposition des artistes, il faut aussi parler de la fortune critique auprès des créateurs de la tour Eiffel, qui est, elle, un peu postérieure. Les artistes commencent à s'intéresser à la tour lorsqu'elle n'est plus vraiment un objet de curiosité populaire et pas encore le mythe qu'elle est aujourd'hui. Un exemple pioché dans les manuscrit de calligramme d'Apollinaire, un des trésors du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Ici, vous avez un des manuscrits d'Apollinaire mis au net par la main de Madeleine Pagès. Donc vous voyez ici que ce calligramme, qui est une forme poétique où le poème prend la forme d'un objet, est ici sous la forme de la tour Eiffel, et que Léon-Paul Fargue, un peu plus tard, dans une revue de 1939, reprend cette idée. Cette revue est assez intéressante parce qu'elle multiplie les jeux visuels autour de la tour Eiffel, et on n'a pas pu s'empêcher de vous montrer cette merveilleuse coiffure en forme de tour Eiffel, où une dame a su comme ça très habilement construire sa chevelure. Reprenons maintenant notre ascension de la tour avec Chloé. Alors, au bout de 2 ans, 2 mois et 5 jours, les travaux sont achevés et dans la première semaine d'ouverture, c'est-à-dire le 15 mai 1889, on découvre la tour Eiffel d'abord par les escaliers, puisque les ascenseurs ne sont pas tout de suite en service. Il faut grimper 1710 marches à l'époque, mais 36 000 visiteurs, malgré les contraintes vestimentaires de l'époque, se prêtent à cet exercice. Alors, juste avant d'aller rendre visite à la machinerie des ascenseurs, une petite devinette. Combien de temps fallait-il à un visiteur de l'époque pour parcourir en ascenseur du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage de la tour Eiffel, selon le guide officiel de la tour Eiffel? Combien de minutes à vos appréciations? Et nous allons voir un petit peu cette fameuse machinerie des ascenseurs. Nous sommes dans le pilier est qui abrite les machineries de l'ascenseur qui relie le sol au premier étage. En effet, à partir du 26 mai 1889, la tour Eiffel est équipée de 5 ascenseurs qui permettent
au niveau des piliers est et ouest, de rallier le sol au premier étage, et pour les autres piles, de rallier du sol au deuxième étage. Et puis on a un ascenseur particulier qui va relier la deuxième plateforme à la dernière plateforme. Pour les piliers est et ouest, c'est d'abord l'entreprise suisse Roux Combalusier Le Pape qui équipe avec des ascenseurs hydrauliques la tour Eiffel avant qu'il soit changé en 1899 par les ascenseurs de l'entreprise FIV Lille, dont vous voyez encore la machinerie juste derrière, même si elle a été rénovée en 1986. Donc retour sur Gallica. On a vu effectivement avec cette petite séquence vidéo tout ce qui concernait plutôt les piliers ouest et est. Je vous propose plutôt de regarder les piliers nord et sud qui à l'époque sont équipés de la machinerie Otis. Alors pour le pilier nord, ça permet de relier la première plateforme à la deuxième plateforme, et pour le pilier sud, le sol directement à la deuxième plateforme. On voit bien le confort de l'époque, et également comme pour les ascenseurs Roux Combalusier et également FIV Lille, il y a un conducteur. Un autre ascenseur est très intéressant, c'est l'ascenseur Edoux, qui va du deuxième étage au troisième étage de la tour. Alors cet ascenseur, il s'arrête au milieu, il y a une plateforme intermédiaire. Donc Edoux est un condisciple de Gustave Eiffel, de l'école centrale. Et les passagers donc, dans ce dispositif doivent changer de cabine pour monter jusqu'au sommet. Voilà un petit peu pour les ascenseurs. Et pour la réponse à la petite question, selon le guide officiel, il fallait 7 minutes pour rejoindre, faire l'ascension générale du rez-de-chaussée au troisième étage. Alors, c'est pour effectivement rejoindre les plateformes. Et qui avait-il dans ces plateformes ? Petite visite des plateformes de la tour. Nous voici au premier étage de la tour Eiffel. Ici, en 1889, on peut voir 4 pavillons de bois qui sont des restaurants. On a un restaurant français, un restaurant russe, un bar anglo-américain, également un restaurant flamand qui sert de la cuisine alsacienne en costume régional. Il faut se souvenir du contexte de l'après-guerre 1870, où l'Alsace-Lorraine a été perdue et où le sentiment vis-à-vis de cette région reste très fort à l'époque. Donc ça, c'est la première plateforme. La tour Eiffel est également constituée de 2 autres plateformes. La deuxième plateforme, on peut trouver par exemple une imprimerie. Sur la troisième plateforme, vous avez une galerie inférieure et une galerie supérieure. La galerie inférieure, c'est intéressant de noter cette anecdote, a été aménagée pour le public, et Gustave Eiffel ayant remarqué que les visiteurs avaient la manie d'inscrire leur nom et leurs pensées sur les murailles, dit-il, il a fait installer des feuilles de papier blanc pour que le public puisse écrire, une sorte de graffiti, ses pensées, son prénom, dès qu'il passait dans cette galerie. Les feuilles étaient changées tous les jours. La galerie supérieure de la troisième plateforme est consacrée au laboratoire et aux appartements de Gustave Eiffel. Vous voyez ici un élégant menu qui appartient aux collections de la bibliothèque municipale de Dijon. Menu qui a été composé pour un repas qui a eu lieu au restaurant de la Tour Eiffel, dont on vous parlait à l'instant. Repas organisé par une amicale d'anciens barbistes, et où on voit que lors de ce repas assez plantureux est servi notamment un champagne Tour Eiffel. Alors, au moment de l'exposition, la Tour Eiffel rencontre un très grand engouement populaire. Vous avez ici à nouveau une photographie issue des fonds de l'atelier Nordin qui utilise un intéressant effet de contre-champ, puisqu'ici on est au pied de la Tour Eiffel et l'on voit les visiteurs qui regardent la Tour Eiffel depuis le pied de la Tour Eiffel, dans une intéressante position que nous adoptons encore aujourd'hui lorsqu'on est au pied de la Tour Eiffel. Et sur la seule période de l'exposition, elle engrange, la Tour Eiffel, plus de 6 millions de francs, ce qui couvre à peu près le coût de la construction, 7 millions de francs, qui seront très rapidement comblés après la clôture de l'exposition. Et donc 2 millions de visiteurs se pressent pour la visiter selon les conditions que Chloé vous décrivait.
L'image de la tour Eiffel pénètre jusque dans la culture populaire, puisque ses lignes sont très reconnaissables et qu'elles peuvent devenir le support des jeux les plus variés. Ici, un hygromètre lui emprunte sa forme pour être une image à découper plus ludique. Elle s'inscrit aussi dans l'imaginaire collectif à la faveur d'événements sportifs dont elle abrite les remises de coupe, par exemple, ou même lors d'un curieux exploit, la course des 729 marches qui mène jusqu'au deuxième étage, gravie en 3 minutes et 12 secondes par le vaillant monsieur Forestier, qui fait la une de ce numéro de la vie au grand air. La tour Eiffel reçoit aussi des événements musicaux. Vous voyez ici la soprano Yvonne Printemps qui donne un concert pour la radio depuis le studio d'enregistrement de la tour Eiffel. Alors Chloé peut nous en dire davantage sur le studio et les éclairages de la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, effectivement, c'est aussi l'éclairage et dès 1889, l'éclairage est déjà pensée suivant plusieurs dispositifs. Ici, on est toujours sur l'ouvrage de Gaston Tissandier qui nous montre le phare qui avait une portée équivalente au phare de côte et sur lequel on plaçait, alors phare fixe, sur lequel on plaçait des plaques bleu, blanc, rouge, elle-même montée sur un dispositif d'horlogerie pour diffuser les couleurs du drapeau qui tournait. Donc. Autre dispositif complémentaire, des projecteurs qui sont installés sur des rails et qui, avec leur diamètre impressionnant, portent jusqu'à 10 km. Enfin, le monde illustré nous permet de voir un petit peu plus d'autres dispositifs avant l'électrification de la tour Eiffel en 1900. Vous voyez ici les becs de gaz qui équipaient toute la tour Eiffel. Et vous voyez également juste à côté l'embrasement, feu d'artifice, lumière qui accompagnait les festivités pendant l'exposition universelle de 1889. La tour Eiffel et son éclairage a également été utilisé par la marque Citroën entre 1925 et 1933. Vous devinez les lettres verticales de la marque avec ses 250 000 ampoules. Pour finir également sur d'autres utilisations de la tour Eiffel, alors la tour Eiffel a eu des utilisations scientifiques. Ce qui a vraiment sauvé la tour, c'est l'utilisation de la télégraphie sans fil, la TSF, d'abord expérimentée au 19e siècle, fin 19e siècle en 1893, et puis par l'armée surtout, début du 20e siècle, l'armée qui en a eu le monopole jusqu'en 1920. Avant d'ouvrir l'utilisation de la TSF et une radio a été créée en 1920, puis une télévision en 1925. Voilà sur l'utilisation scientifique. On pourrait également citer des expérimentations météorologiques, médicales, voilà, c'est globalement beaucoup, beaucoup d'utilisations scientifiques qui ont pu être permis par la tour. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Gallica Part en live pour les 130 ans de la Tour Eiffel. Vous pouvez retrouver dès maintenant cette vidéo sur la page Facebook de Gallica et dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque nationale de France. Nous essaierons de répondre aux questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Je vous signale le prochain Gallica Part en live qui aura lieu dans l'exposition Tolkien, exposition qui se tient actuellement sur le site de la bibliothèque François Mitterrand. Et ce live aura lieu le 10 décembre prochain. Vous pourrez le suivre dans les mêmes conditions. Nous remercions très chaleureusement les équipes de Gallica et les équipes des manifestations de la Bibliothèque nationale de France, ainsi qu'un immense merci aux équipes de la Tour Eiffel qui donc ont permis de tourner certaines séquences sur place. Et nous espérons vous retrouver très bientôt sur Gallica et dans les salles de lecture de la Bibliothèque nationale de France.